Chaque jour, retrouvez les tutos de l'équipe du matin et aujourd'hui, on vous aide à rénover vos bijoux en argent. Les bijoux en argent, en fait, ce qu'on vous disait à l'antenne ce matin sur Vibration, c'est que les bijoux en argent, c'est pas comme l'or et le platine. L'or et platine, c'est vrai qu'ils se salissent pas trop, ils se déforment pas trop. Alors que l'argent, c'est le... Ça fait pas pitié parce que c'est super l'argent, c'est trop beau. Mais par contre, ça prend cher. Quand on se met du parfum, quand on transpire, le frottement des vêtements, ça c'est une chaîne en argent normalement. À la vidéo, je sais pas si ça brille bien. Mais par contre, quand on regarde vraiment de près, on voit qu'elle elle est pas noire, elle est vraiment gris foncé, gris anthracite. Ouais. Et en fait, ce qui est super simple, c'est ce qu'on trouve au supermarché. Ça coûte pas 15 à 20 euros, ça coûte à peine 1 euro, j'ai payé 70 centimes hier. Et c'est du dentifrice, tout simplement. En fait, ce qu'il y a juste à faire, c'est prendre du dentifrice, en mettre. En fait, le dentifrice, il est tellement abrasif qu'il va prendre toutes les saletés, il y a juste à masser, voilà, très bien. Même pas besoin de monter, regardez, elle fait toute seule. Et d'ailleurs, il faut prendre un dentifrice de petite qualité. En fait, moins c'est cher, plus c'est abrasif. C'est ce qu'il faut se dire, les amis, pas besoin de mettre 3 à 5 euros. Et en fait, voilà, ça fait toute la pâte. En gros, il y a vraiment tout le dentifrice qui va aller sur l'argent. Alors, il y a deux solutions. Nous, la solution qu'on va faire là, c'est qu'on va aller rincer ensuite l'argent et on mettra la photo du après, comme quoi ça brille bien. Et l'autre solution, ce serait de laisser sécher, alors vraiment avec un dentifrice bien blanc. Si on laisse sécher, ensuite ça atténuera même les micro-rayures. Là sur une chaîne comme ça aussi fine, il n'y a pas besoin d'atténuer les micro-rayures, on ne les voit pas du tout. Donc en gros là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller nettoyer. Là déjà on voit bien que ça commence déjà à briller. Et Ursula a une main qui est bien, bien dégueulasse. Voilà. Allez, on va aller nettoyer et on vous poste la photo juste après.